Heureux. Re-bienvenue sur le live, toujours en live. Et donc on va essayer de trouver un nouvel employé pour sortir un nouveau jeu de la mort sur PlayStation. Hashtag believe. Ils sont quand même assez mauvais en design, c'est triste. Oh, tant pis. Pendant que l'autre se prépare, on va faire un entraînement pour tout le monde. Salut Movies, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Il ne s'est vendu que très peu d'idées de je sais plus comment il s'appelle ce jeu. C'est parti pour développer un nouveau jeu. Un jeu d'action cyberpunk pour PlayStation avec la Drone Tech 5. On a sauté un numéro, c'est pas grave. Donc allez-y, je vous propose de me proposer des noms de jeux basés sur de l'action cyberpunk. Allez-y, foncez, c'est maintenant ou jamais. More on gameplay. Gameplay is more important. Pam pam. On met le paquet pour ce jeu cyberpunk. Je rappelle que... Attendez, l'I3, c'est ce soir en plus, je crois que ça commence. L'I-Cube. Salut Totoon, bienvenue sur live, j'espère que tu vas bien. On va faire un open world. Bon, tant pis. Metalium Saga. Pourquoi pas? C'est un bon nom ça. T'as pas de hype? Je sais, mais je vais en avoir parce qu'il y a le G3 justement. Et puis bon. Paf! Comment ça, j'ai pas de hype? On en parle? Faut que je l'envoie en vacances, c'est fini quoi. Allons-y! C'est un bon jeu à encore gagner, c'est un Metalium Saga. Safa, oui, bien sûr. Release game. Minigames. Hashtag believe. 6. C'est de la merde. 7. Préfère. OMG, mais toi, Stargames, ils aiment me descendre. C'est un truc de malade.
Stargame, ils passent leur temps à me mettre dans la merde. Truc de fou. Oh toi, sans déconner, tu sers à rien en fait, dégage. Faut un bon truc là. Star Games, c'est ça quoi. Les mecs, on les met au fond. Oh! Boum! Engagé! Bienvenue dans l'équipe! 580 design! Salut aux stars, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Mini Games. Alors attends, déçu de Watch Dog. Non, je suis déçu de Ubisoft. Parce que le jeu est bien. Mais ils sont en train de pourrir leur jeu tout seul, j'ai même pas besoin de les aider. Putain, Metal Gear Saga c'était un bon jeu, ils font chier. Infogramme. Infogramme. Non, c'est Bugisoft. Trop long, je joue sur LOL. Mais c'est le même que l'avant, sauf que je l'ai même pas testé parce que je m'en carre. Voilà. Sinon, ça va? Monter la hype. Je rappelle, je cherche un nom pour un jeu de simulation d'animaux. Alors le premier qui me sort Nintendogs, je lui dis, j'ai dit pas des noms déjà existants. Edward McGillen, je ne dirai pas qui c'est. Un open world, please. On est bien là, on a un bon jeu. Avec un peu de hype. C'est quoi MSCDPN88, please? C'est un hacker? The pétophile, Watchdog. Non mais là je suis désolé, mais il a gagné une avance. Watch Dogs. Non attendez, Watch Dog. Pour ceux qui connaissent le même. Déjà il a gagné sans se battre. Ah, j'ai eu 7. J'ai eu le temps de le voir. J'ai eu 7, donc il n'y a plus de surprise.
Je vais avoir 7 à moyenne. What the fuck? Ah voilà, j'ai pas halluciné. Such game, much fun. Voilà, exactement. C'est un bon jeu, a compris la référence. La Nintendo 64 va bientôt sortir. Voilà, ils sont contents. Bim. Income. Casual game. Il boit son café à la fin. Salut Folon, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Un jeu City Strategy, on se le fait? Bon, normalement on devrait sortir soit sur Super Nintendo, soit sur PC. On va le sortir sur PC quand même. Mais c'est en gros Sim City, n'est-ce pas? Je vous laisse trouver des noms pendant qu'on fait le development. J'ai pas les contract work. Non, parce que je n'ai pas besoin là actuellement. Donc on s'en carre. Avec l'état actuel des choses, on s'en carre. Si tu commençais à être dans la merde, je ferais des contract work, certes. Petite campagne. C'est que moi je devrais m'occuper de tout le jeu tout seul vu mon niveau de développement quoi. Ah, la Nintendo 64 est released. Construction, YOLO. Et on a un bon jeu d'un point de vue là. Il faudrait juste qu'il sorte après le G3. The Wolf Influence. Ouais, pas mal. On va attendre le G3 avant de le release. Voilà. G3. Watch Dogs et Game 25. Notre pro jeu sorti la semaine prochaine. Best game ever. Ah, il me ajoute un bug, merci. Paf. City Construction. BAM! Release the game. Un jeu de prison. Ah, j'en connais un qui va faire Viens voir Game Report, combien j'ai de notes. Ah, je sais pas encore. Très bien. Ouh, j'ai un... Ouh, 8. Yes. Yes. 8. 10. Ma bite. Ouais. Oui, million.
Ma biture vos francs, ça fait une licorne. Boum. Multigenre. Oh, comment c'est quoi qu'il qu faut? Combien il me faut, pardon? 80. Oh merde. Non, pas 12 millions, je suis triste. Non, t'as pas osé. Qu'est-ce qu'elle a mis? Je veux pas savoir ce qu'elle a mis. Cling. Électronique masse production. Ils veulent 7 par contre. Ubersoft, un jeu d'action. Eh bien, on va y offrir un jeu d'action. Donc, un jeu d'espionnage d'action. À vous de jouer, je vous laisse trouver le nom. Boum. Bah, ma bite, son histoire. Ah. Let's go for the hype. Un jeu d'action d'espionnage, je vous écoute. Ça pue le scam. Le mec fait ouais, on a 2 millions investis en vous, mais on veut 120k. Oui, mon cul sur la commode. Thomas de Clancy, Dissimulation 007. Aspirateur. Putain. Oh là là, je prends. Je prends Aspirateur. OMG quoi. OMG, godlike, godlike name. Million seller spotted. Hype. Hype. Aspirateur. Hype! Release the game! 3D graphique V4! J'ai eu combien? Je sais pas. Allez! Aspirateur hype! Money in the pocket. Je crois que j'ai dépassé 2 millions pour le jeu, j'espère qu'il va se vendre. Alors le problème c'est que vous voyez, ça coûte 100.
peut y arriver. Oh putain. Il faudrait 100 points. Mais là ça va être long je pense. Ou alors je développe le multi-genre. Ouais je vais me faire niquer. Bon tant pis, recherche multi-genre on va mettre. Ah j'ai 4 points, ok. Et là on fait une grosse sequel, la grosse sequel du hype. La suite de Super Avengers 2, Super Avengers 3. Action aventure ou un action RPG. Non, ça va faire trop de différence. Pas mal le jeu, thriller. Alors le problème, vous voyez, c'est que cet abruti de Philippe Fille, je pensais qu'il allait finir plus vite son étude, mais il prend son temps. Nous avons du retard sur notre jeu. En tout cas notre hype monte. Du coup de marketing avec une petite campagne. Bing bing. Let's go. La hype est en train d'exploser le jeu. Oh la Dream Vast. Est-ce qu'on va, on n'arrivera pas sur la Dreamcast je pense parce que c'est... Donc le nom du jeu sera Super Avengers 3 Hype. Et là, prepare your anus. Je suis mad. En tout cas, le jeu hype. Boum, 3,9 millions première semaine. Bré bré. La banque est la mode. What the fuck, man? So much income. Bim.
déplaçons-nous. Allons dans des headquarters encore plus gros. C'est le building final. C'est le building final. Design spécialiste. Alors, laissez-moi voir mon équipe. J'ai quelqu'un qui est très fort en design, je crois. Edward McGillen est un génie. Donc, à 700. Ok. Bim, bim. Là, on va engager du monde. Vous imaginez pas à quel point on va faire des jeux de malades mentaux. Next generation. Ah, on ne trouvera pas un GU Design. 644, 752, 28K, 37K. Ah, oh, lui il se fout de ma gueule. Bam. Est-ce que vous êtes prêts pour les jeux de la hype? Bon, avant ça, petite semaine de vacances pour tout le monde. Le jeu se vend encore, on est bientôt à 2 millions. Save to Cloud Achievements. Un jeu de simulation de stratégie de ville sur PC avec la Dream Tech 5. A vous de trouver un nom. Il va falloir bientôt penser quand même à développer un nouveau moteur de jeu avec la V4 en... un graphique. 2 millions d'unités. Large campaign. Let the hype begins. Il y a Cave Johnson qui nous contacte pour faire du placement de produit. Motor Town. The New Wolf of New York. Alors. Comment déjà? Never mind, adieu. Plus de hype. Je veux de la hype. Ce jeu va être un massacre. Large bouffe.
On va attendre le G3 avant de publier notre jeu, histoire que la hype monte encore. Allez, please. Plus vite la G3, je perds de la hype là. Merci. Boum. Ouf, ouf. Donc City Ing Simulator 2064. Oh. Release the game. Fuji Graphic V4. Oh, 9. 1, 7. 1, fuck 7. Oh là là, mais allez vous faire foutre, OMG. Vous êtes une bande de chiens en fait. Hype. C'est tout? Ah merci. C'est tout? Mais le jeu m'a coûté des millions. OMG. Je les déteste. Mais jamais le jeu va entrer dans mes frais. Il faut que je gagne encore 1,7 million pour le rendre rentable, please. Pas croyable. Publishing deal. Cyberpunk Actions, un minimum note de 5. Action RPG. Action RPG, Cyberpunk, pour la Dreamcast. Avec la Dream Texas, nouvelle technologie. Red Exploding Barrels. Je vous laisse donc trouver un nom. Mode support, ça sert à rien si on n'est pas vu sur PC. L'engine, on va le faire développer par notre génie, Tom Reference. More on engine. Ils ont explosé mon pseudo quoi. Steam Warriors Escalation. Un jeu avec un éditeur de niveau. Putain, mais arrête avec l'homme de ton chien, OMG Miko. Alors, combien de pertes est-ce que m'a coûté le jeu précédent? Si j'ai perdu 500. Bon, ça va. J'ai eu pire. Ah, fuck.
La hype monte. Je vais rendre au studio à moi tout seul riche. Masticou du Nigeria. Alors je rappelle quand même qu'on développe un jeu d'action RPG cyberpunk, les gens. Mais ils sont sérieux? Je fais des jeux monstrueux avec des scores de malade et... Bande de filles de pute. Fuck. Bon, est-ce que ça va réussir à être instabilisé cette connerie? Large game. Il faut combien pour faire des large games? 40, ok. Est-ce que ce sont des noms qui sont pas pris? Il faut 100 RP et 5 millions. Ça coûte cher. Du coup, est-ce que ça a été rentable cette histoire? J'ai gagné 42K. Pas très rentable. Pas très rentable du tout, je dirais même. Ça fait chier. Même pas 1 million j'ai gagné avec ce jeu. Ok. Un dungeon RPG adventure. Action RPG. Sur un des derniers jeux de la Play System. Non, ouais, sur Dreamcast. Adrian Texas. Alors, un dungeon action RPG. Je vous laisse vous trouver des noms. Amusez-vous. Un peu de marketing. Avec une grosse campagne. Avec un large bouffe, donjon et mouton. Pas mal, pas mal.
Ouais, là il commence à dire ah la Dreamcast ça se casse la gueule, méfiez-vous, tout ça. Donc en fait ce sera sûrement le dernier jeu Dreamcast qu'on sortira ever. Voir combien il m'a coûté. Il m'a rapporté 1 million tout pile. Pas cool. Ah parfait, là on va avoir de la hype, à plus savoir quoi en foutre. Pour le dernier jeu Dreamcast, ça peut sauver la console. Alors je sais pas s'il y a des options genre on peut sauver la console ou pas, mais ça serait rigolo je trouve. La hype qui monte trop vite. Là par contre on va essayer de sortir notre jeu parce que sinon il se vendra pas parce que la Dreamcast sera morte entre temps. Go. Allez on y croit, hashtag believe, dernier jeu de la Dreamcast sûrement. 9 pouf, pouf, pouf. 9 pom 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 8 miaou. 아 드래곤 제가 봤어요. Alors est-ce qu'il m'est rentable bientôt ? Ça. Tant que le jeu est rentable, ça me va. Ils veulent faire du sabotage, please. Merde, je devais garder 100 pour Large Games. Ah non, c'est 40. Ok. Un truc assez long. Oula, j'ai peut-être déconné par contre là. J'ai déconné je crois. Donc ça va être short. Oh là là. Ok. Bon du coup combien il m'a rapporté 1,4 million. Ouais c'est petit quand même. On va être temps de profiter de la PlayStation 2 et de sortir un gros jeu. Une espèce de séquelle des enfers. Une séquelle d'un jeu qui a déjà eu une suite. Super Avengers 4 Large.
sur PlaySystem 2. Avec l'Adron Tech 6. Super Avengers 4. Ce jeu va me coûter très cher, j'espère qu'il va me rapporter énormément de sous. Go! Là, il faut que je fasse un gros marketing. Là, je mets vraiment tout dans ce jeu. Limite, ça va me foutre en banqueroute. Macar! Va falloir gérer du poney pour ce jeu. Ce jeu, c'est là, c'est le futur. C'est parti pour développer un jeu shiny. Boom! Mega hype! Boom! Mettons plus de sous. Combien il m'a coûté jusqu'à maintenant que je rigole? Ok, je sais pas quoi savoir. Je sais pas qu'elle a fait. Si ce jeu se vend pas, je peux peut-être avoir coulé ma boîte, vous vous rendez compte? Mega Pony Attack! Online play 3D Wrestling V5. Oh merde. Neuf! Allez, Onyx, hashtag believe! Jeez. 9 9 Mort, please. Là, y'a tout le monde qui va partir en vacances. Alors là, ce jeu doit se vendre. Money, 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 new. En deux mois, j'ai déjà la moitié du... J'ai remboursé à moitié le prix du truc. Puis j'ai bientôt le G3. Oui! Super! Ah merde, par contre j'ai pris un petit bouffe de merde. Alors je suis dégoûté. Bon, ça va peut-être faire remonter un peu. Et donc augmenter mon cash flows. En fait, c'est con parce que j'entraîne exactement les mêmes personnes, donc du coup les autres évoluent pas du tout. C'est débile. Hyper! Oh là là, j'ai déjà fait 8 millions de profits sur ce jeu quoi. Oh là là. Oh là là, il est sale, continue. Oh.
in cash. Je vais voir, est-ce que j'ai des bons publishing deals? Bon allez, un nouveau jeu, nouvelle licence. Un jeu d'aventure action zombie sur la toute nouvelle PlaySystem 2 avec la Drone Tech 6. A vous de trouver un nom. Un jeu d'action aventure zombie. Guns. Il y aura des mini-jeux dans ce jeu d'action aventure parce que toujours plus de contenu. Combien j'ai gagné avec ce truc? Game History. J'ai gagné 14 millions s'il vous plaît. Le jeu rentable. Death Plague. On est tellement en train de développer un jeu de malade mental. C'est normal que la hype monte. Dave Plague. Dave Plague. La peste mortelle. What the fuck? Ah ouais, c'est comme ça quoi. What the fuck, man? Oh, 5,5 millions, bon ça va. Oh, par contre le jeu va pas se vendre. Bon, va falloir sortir un gros jeu qui est bien sale, bien puissant. Histoire de rattraper les conneries Dave Plague. Donc c'est un donjon RPG. Multiplateforme. Ça par contre c'est cool le multiplateforme. Je vous reviens de plein de jeux. Bon, est-ce que le jeu c'est un minimum rentabilisé? Ok, j'ai perdu 3 millions dans le jeu. J'ai perdu 3 millions dans le jeu. Je parle des fans là. Bien joué. Bien joué.
quelle idée d'avoir sorti ce jeu, OMG. On va attendre qu'il y ait le G3 histoire d'avoir de la hype. Bon, donjon et dragon. Le retour va-t-il marcher grâce à la hype du G3? Hashtag believe. Oh là là, les notes vont être moches. Oh, quoique. Ouais, ça va, on est bien. C'est un jeu overhype en plus, donc ça va forcément bien se vendre. No loading screen, par contre, ça c'est vachement cool. Il n'y a pas l'air de se vendre des masses. Quoique ça va. Nice, c'est bon, j'ai point de recherche. Non, multiplateforme. Money note in the pocket. Non mais je pense que ça va bien se passer. Ah, le jeu a déjà rapporté 5 millions. C'est bon. Même s'il se vend pas des ultra masses comme on l'a déjà vu par hasard, il est méga rentable. Donc c'est cool. Et je peux sortir sur 3 plateformes en même temps. Oh. Là on va s'amuser. On va développer une séquelle d'un jeu qui s'est super bien vendu. Aspirateur, on va essayer de faire aspirateur, on va faire essayer de faire méga aspirateur. Action Adventure Spy, disponible sur Mbox, PlaySystem 2 et Gamesphere. En avant. Donc c'est un jeu d'action-aventure, ok. Donc là on commence à entrer dans des trucs intéressants, on va faire un peu de marketing. Donc on va vendre sur plein de supports. Et donc Donjons et Dragons, il est hyper rentable, je suis sûr. 7, 8 millions. Est-ce que c'est pas cool? Yozer, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Thank you.
En plus, on aura masse points de recherche, masse nouveautés dans notre prochain moteur, vu qu'on a développé plein de trucs de la mort. On va voir Game History, 8,3 millions, voilà, rentabilité. Bon, c'est pas autant que 15 millions, mais 8 millions, ça va. Avec une autre nouvelle campagne, voilà. Notre jeu nous coûtera un peu cher, mais on y croit. Hashtag Believe, il sort sur 3 supports. Donc forcément, mass money. Tu as bossé comme un porc, écoute. Hop, et une dernière petite campagne marketing, histoire de refaire monter un peu la hype. Je sais pas combien le jeu m'a coûté, mais il m'a coûté sûrement très cher déjà. Mais on y croit, c'est un jeu qui va se vendre putain de bien, ok? Moi j'y crois. On va atteindre le G3. Comme ça on aura la méga hype. Hype. On va leur donner notre premier moteur. Voilà! Là on y croit, ma gueule! Ça va être le jeu de la hype! Un spy rateur! The Super Golden Fist. Bam. Bonne nuit, Miko. Perfect game. Boom. Le jeu est déjà rentable au bout de 2 semaines. Boom. Ok, on est chaud. On va donc développer un nouveau jeu. Non, on va développer. Ouais, non, on va développer un jeu encore. On va trouver une séquelle. En tout cas, on a fait un jeu de la mort. On va créer un jeu de stimulation, de stratégie. Simulation.
de sci-fi. Cible libre sur Mbox, Play System et PC. Ou alors d'action RPG de science-fiction. Ouais, d'action action RPG de science-fiction. Avec la Dream Tech 6, bientôt Next Generation Developer. Boum, ça va les couilles. Boum. Ah, la PSP va sortir en même temps. Bonne nuit Miko. Combien de rentabilité? 25 millions. Bitch. Gameplay. Ah oui, c'est vrai, il faut peut-être faire un peu de marketing. Boom. Attention, gros marketing. Boom. Go hype. Please. Je vais demander une deuxième large campaign. Ah, il me l'avait déjà compté. D'accord, ma bite. Ils auront tous droit de partir en vacances parce que ils ont fait du bon boulot sur le jeu précédent. Bon, on sent quand même qu'ils sont tous épuisés parce que là ça développe plus très bien. Hein. Vous arrivez sur la fin. Après vous aurez tous le droit de partir en vacances. Bon, ce jeu sera beaucoup moins fort. Et bon, on va dire que ce sera un petit jeu. Allez, en vacances, on va débugger à deux, vous inquiétez pas. Ça mettra un peu plus de temps. Mais vous l'avez mérité. Encore un petit coup de marketing, histoire qu'il se rappelle que notre jeu sort bientôt. Star Crusader. Bon, ce sera un jeu moins fort. Mais bon. Je suis bien déçu. Bon, le jeu va être beaucoup moins hype. Ah non, mais j'ai pas le droit d'avoir une note de merde quand même. Please. What the fuck? 6, 8. Et... A l'aide. Mongoloman, c'est quoi cette presse?
Bon, combien il m'a coûté? 15,8 millions. Je crois que ça va être dur à vendre. Ouais, avec un peu de chance, le G3 va faire de la hype et va remonter un peu les ventes. Je l'espère, sinon c'est... Sinon le jeu va nous coûter cher, on va dire. Là on va essayer de gratter des points de recherche. Plateforme optimized, ok. Et combien ça va coûter un point de recherche? Est-ce qu'il y a un truc que je voudrais absolument incorporer? Le no loading screen et coopérative play, il me faut donc 200 recherche points. Un jeu de simulation RPG de vie sur PlaySystem, PC et Mbox en large avec Adrantech 6. Bah, il va pas être rentable du tout Star Crusader, c'est moche. Peut-être faire une maquette marketing un peu moins violente. Ah, le mec il cache les bugs. On va mettre les modes support. On va mettre à jour notre moteur, malheureusement, là, assez urgemment. Parce que notre moteur commence à être vieillot. Il y a peine de vendre un passant en gold seller. Ça crée du boudin un peu cette histoire. La drone life de rêve, non, c'est nul. Mais en fait, c'est un même, je vais niquer quelqu'un. Rentable ce jeu, non? On aura tenté, voilà, on a perdu 7,9 millions. On aura tenté au moins, c'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut se dire. Allez, on y croit ? Hashtag believe !
Un super jeu. On y croit. Social Simulation. Allons-y. De toute façon, vous êtes de moins en moins sur le live donc. Nice. Oh, un petit 10. Nice. Je voudrais un petit 10 quand même. Ah, tout le monde veut faire des vacances. Allons-y, salut Nixis, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Un million déjà. Oh là là, le pic. OMG. On va voir combien. Oh, il m'a déjà rapporté 12 millions. Mais oui. Tout va bien. Ce jeu est rentable. La rentabilité. En plus, on a le G3 qui vient rajouter une couche. Le jeu va peut-être un peu redécoller, histoire de encore ajouter des ventes. Allez, c'est parti. Allez, on va faire une petite... J'aimerais bien finir... Bon, allez, ça me fait chier. Faudrait que j'ai assez de points quoi. Allons-y, je vous laisse choisir le nom d'un jeu qui sera un jeu d'action simulation militaire. C'est parti. Oh, il est méga rentable. Allez-y, à vous de proposer des noms sur le chat. Un petit peu de marketing. Military Def of the Def. Military Out. En fait, dialogue, y a aucun jeu qui sait à quoi ça sert, quoi. Peut-être à part les jeux d'apprentissage, quoi. Genre, bon, les mecs, on va faire un jeu d'apprentissage, on va faire des dialogues de merde. The hype.
de hype. Qu'est-ce que ça va être quand je vais refaire des triple A? Il manque encore des petits points de recherche, ça me saoule. Blood Army, ouais, c'est pas mal. L'armée, ça sonne bien. Blood Army. Oh là là. Oh là là, beautiful. Ça c'est une note pas top quand même. Combien le jeu m'a coûté? Il m'a coûté 10 millions. Ok. Holy shit, pourquoi il me fait ça maintenant lui? Oh là là, les enfoirés. Yo Jérôme, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Ok, j'ai raté mon contrat parce que ces enfoirés ont fait une compète de développement sous mon pif quoi. Est-ce que Blood Army s'est rentabilisé ou pas? Non, j'ai peut-être faire un nouveau jeu entre, avant la G3. Bon, il est rentable. Tout va bien. À partir du moment où un jeu est rentable, tout va bien. Ça fait chier. Ouais, ça va, mais le jeu sur téléphone original est peut-être mieux. Après, je sais pas, j'ai pas rejoué à Game Dev Story depuis un moment. Non, c'est Game Dev Tycoon, pardon. Le jeu Game Dev Tycoon. Et je sais pas si il est mieux Game Dev Story. Je sais pas si Game Dev Story en fait ils ont fait des updates. Par contre Game Dev Tycoon ils ont fait quelques-unes sympatoches, ça va, c'est cool. On tourne en vacances toi. Thank you.
à Castle Clash. C'est quoi Castle Clash? Ça répond à ta question, hein? Tarde pour faire les jeux triple A là. Bon, je vais créer. J'ai pas tout ce que je voulais, mais là il est temps de passer au niveau supérieur. C'est parti. Non, je joue même pas à Clash of Clans en fait. One million and Jane. Allez, on va développer une nouvelle licence, une nouvelle IP qui a parlé de. Business. Casual simulation. Non, attendez, on va faire notre. Un jeu. Simulation mais casu. Ok. Allez. Go! 3D Graphic V5. On a déjà commencé le marketing. Avec All and Play, Save to Clip. Mode support. Ok. Salut Felix, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Non mais on peut pas faire de jeu sur le sexe. Il y a quelqu'un avant qui l'avait déjà demandé. Ça va. On est en train de créer un jeu de simulation de stratégie. De stratégie de simulation de ville. Ok, go! Il coûte combien? Je sais plus. Je ne sais plus. Oh là là, tellement de points. Bon, aussi tellement de bugs.
C'est pas grave. Mais Game Dev Tycoon est maintenant disponible sur Steam, avant il l'était pas. Mais intéressez-vous à Game Dev Tycoon sur Steam. On va voir un gros jeu à hype là. Enculé. Il va bien se vendre, je pense. Ouh, 463 de hype. Town City Simulator. Vu que vous avez pas l'air chaud pour proposer des noms, ou alors des noms qui sont pas top tip top. Oh, jeez. 9. Bon, c'est pas grave, on a déjà fait un jeu à 10. 10. 10. 9,75. Today, Mirkonoft present their new console called the Mbox 360. Et voilà, alors attendez, c'est le moment où je sens que je vais rire. Oh, déjà un tas de 13 millions! Oui, tu peux recevoir tes propres consoles, mais c'est un peu plus long, quoi. C'est juste un peu plus long. Eh, peut-être 5 millions. Hashtag believe. Bim, 5 millions. Arr, what's up, motherfucker. Money, 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 it's so funny, man. Alors là, c'est le moment où je vais être la pire salope de l'univers. 207-315. Oh, 207-315, qui es-tu? William Hernandez. Tu es viré. Boum. Ok, donc j'ai moi qui suis tech. Donc un tech. Un design. Philippe Fesch, tu as viré. Deux design. Deux tech. Trois design. Donc il faut un nouveau mec tech. Paf. Toi tu vires, t'es viré. Ah oui, parce qu'il y a... Money, money.
676, 708, 695, 728. Alors, un nouveau jeu. Attention, on va créer un jeu de course. Casu. Et d'action. Pour la Xbox, yes. Pour la PlayStation et le PC. Et ce sera la Ladran Tech 7. Boum. Multiplayer Holland. Ok, pardon, excuse-moi. Avec une petite histoire quand même. Ah ouais, j'ai pas encore fait de marketing, j'ai déjà la hype. Hype. Grand Crash Auto. Je note. Grand Crash Auto. Grand Crash Auto, c'est pas. Il va aussi être intéressant à chercher à spécialiser chacun de mes types pour faire des jeux super optimisés de la merde. Je vais faire des triples, hey hey hey. Non, le son doit être important. Là, le world design nous encarre. Au Need for Crash, ouais, pas mal. Je pense que je vais garder Grand Crash Auto quand même. Ça sonne bien, je trouve. Crash out. Ah, la vie. The Nu, excusez-moi. The Nu. On va attendre le G-Free pour gagner mass income. Non. Attention, get the hype. Là, attention, la hype va exploser. Alors attendez. Alors je vais mettre. Ah, 200 il m'en faut, ok. On va faire une séquelle d'un jeu qui s'est méga bien vendu. Genre le 10, où est-ce qu'il est le 10? 10 out of 10. Aspirateur. The Super Golden Pony. Bam. Bam. Oh là là, c'est quoi ces notes? Good game, c'est tout? Merci.
Rockstar Games, bande de fils de... Il m'a coûté combien? Non, pas ça que je veux savoir. Ah, mais il est déjà rentable. C'est bon. C'est bon, tranquille. Je sais pas si j'ai encore fait du marketing. Ah non, oui, j'en ai fait. Salut Darky, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Bon, encore un bon jeu là. Hashtag believe. Sexe auto. C'est vrai. Nice game. Et voir à combien c'est rentabilisé mon autre jeu. 28 millions, c'est bon. Easy. D'aller en vacances. D'un coup, comme ça ils sont tous synchronisés. Boum boum. Allez, tout le monde en vacances, vous l'avez mérité. Ah non! Ah non, ils ont pas le droit! Je vais être énervé. C'est un jeu qui a eu 10 sur 10. Putain, quel bon enfoiré. Bon, il va se vendre quand même. Je vais voir est-ce qu'il s'est déjà rentabilisé ou pas. Oh, presque. Presque. En une semaine, il s'est à moitié rentabilisé, ça va. Non, je pense que là, il est rentable. Non, mais c'est bon, on est dans une situation où on est... Pff, voilà, c'est bon, il est rentable. C'est bon. Pas de soucis. Alors attendez, je vais ouvrir un notepad. Hop, donc j'ai un level designer, ça y est. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui ont déjà des prérequis? Non. Donc après je peux faire ce que je veux. Ouais ouais ouais. Après je suis plutôt libre, vu que les autres n'ont rien. Lui
lui peut rien faire. Il peut être dizaine spécialiste. Alors attendez. Salut Tristan, bienvenue sur live, j'espère que tu vas bien. Donc lui il a assez, il faut juste un peu de design pour l'engine. Donc je vais faire ça. Merci. Toi. Sur design spécialiste, bon, bon. Très bien. Alors gameplay 720, design et 180. 720 design. On va essayer d'avoir des mecs qui ont du taf quoi. Et salut Satan, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Du coup toi est-ce que t'es bon? Toujours pas, faudra que je t'entraîne un peu plus. Ok. Un jeu de simulation de sport. Ah, très bien. J'ai acheté la licence pour rien, quoi. C'est parti pour le hype game. Alors je rigole. Ah non mais c'est bon, il me note qui travaille où, ça va. Bon, on va essayer d'avoir le maximum possible des gens spécialisés. More on gameplay. The gameplay is the center of our title. And histoire d'ajouter un peu, on va faire une petite campagne de marketing histoire d'amplifier l'effet hype. Bon, est-ce que notre dernier jeu c'est méga bien rentable? Ouais, 20 millions. Tous nos jeux nous rapportent 20 millions en ce moment, c'est plutôt cool. Du moins qu'on puisse faire des triple A. La hype qui monte à une vitesse phénoménale, on aime ça. Bon, alors la PS3 version un floppé au début. Alors, comme ça notre game design, enfin notre designer d'engineery. Mais pourquoi
pourquoi archery? Le but c'est pas... Sports. Voilà. Advanced physique. What the fuck? 180. Ah d'accord. 180. Allez. 9. C'est bon. À partir de là, on sait que les notes vont être plutôt bien. Donc c'est cool. Must have. Sports and simulation. Est-ce qu'on a le droit à notre classique PAM Week 1 Round Tabalifi? Nice. Voilà, donc notre... Oula. Je vise un peu gros là. Bon, j'ai visé un peu gros je crois. Ouais, j'ai visé largement trop gros. En plus on y manque... Ouais, alors, j'ai visé beaucoup trop gros quoi. Bon, c'est pas grave, 85k, 7k, je mets un quart. C'est pas des grosses pénalties. Ah, 200 il me faut, ok. Tu vas mettre le mot pimp. RPG action. Sur Mbox 360, sur PlaySystem 3, yes, and PC. Adrian Tech 7, pimp, si tu veux. Dungeon and Dragon. Pimp, your bitches. Pimp, your bitch. Ça fait très racoleur, je sais. Mais ça fait vendre, ça vendra, j'espère. 33 millions de rentabilité, voilà. Tranquille. Donc là, le but c'est que je sois à 200 en recherche, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais ce jeu en fait, c'est pour avoir les 200 de recherche. Grapple. On va faire des jeux casu qui se vendent comme des petits pains. C'est bon, j'ai moins de 200 recherches. On va voir Sports, comme il m'a rapporté 51 millions. Voilà. C'est un dungeon crawler où vous trouvez l'armure. Oh, c'est n'importe quoi. Ne cesse de monter, donc je vais l'aider encore un peu plus. Monte petite hype pour un jeu bien masochiste, bien machiste. C'est ça qui est débile. Des patchs parce qu'il y avait des bugs, ils ont même pas attendu le patch quoi. Moi j'ai mis 2 semaines à arriver, tu sais, les mecs, ah non mais je suis pas content. Hein.
Hop, tout le monde en vacances. Allez-y. Allons-y, espérons qu'il va bien se vendre. Oula. Average sequel. Enjoy your ball. Ok, on s'est fait descendre. Il m'a coûté combien? 7,5 millions. Oh, il sera rentable, je pense. Il va être un peu de temps à se rentabiliser, mais il sera rentable. Bon, on va dire que ça, 500 ventes, c'est un peu ce que je fais en une semaine avec mes bons jeux, donc bon. C'est un peu dommage quand même. Alors, 717 gameplay, je veux dire. On va dire gameplay. Attendez, il manque quoi? Un peu de techno, ouais, allez. On va faire ça. Toi, 616, 31. Oula. En tous les cas, toi, faut que tu montes ta techno parce que t'es trop à la bourre. Qu'on fasse un peu de recherche pour améliorer notre prochain moteur. Mais bon, le prochain moteur, ça, on a le temps. Avant, il faut que je fasse un design spécialiste pour développer le dernier niveau de graphisme. On va essayer de trouver un publishing deal, tiens. On va faire un nouveau jeu de casu, mais cette fois-ci plus petit. Un jeu de course, action, de casu, voilà, action casu, action casual, pour la Nintendo DS, la NU, et la PPS. Voilà, tranquille. Je vous laisse trouver un nom pour un jeu de course, d'action casu, pour console portable surtout, et la Wii. N'oublions pas cette pauvre Wii. Donc pour Engine, j'ai un professionnel. Ouais, parfait, c'est déjà lui qui s'occupe des Engine. Ok. Donc là, il va falloir que je bourre un peu moins. Donc on est sur un jeu casu. Bon, casu, on va pas mettre de tuto. Si, parce qu'il est casu, justement. Pas de coop. Online. Avec save to cloud. Avec des saves. Et des cutscenes. Même pas, allez. Burn Week. Mais ça fait bien orienté Wii. Ça, le problème, c'est que ton jeu là, il fait bien orienté Wii en fait. Ah, RPG populaire. Je rappelle qu'on a commencé à vendre grâce à des RPG, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc le jeu s'est rentabilisé. 6 millions. C'est bon. Pas de level editor, ça ne sert à rien. Les environnements dynamiques, on s'en carre. Voilà, better EI. Mais arrête de mettre des Wii partout, MJ. C'est pas un jeu qui va servir que sur Wii, aussi sur PSP. Pauvre PSP, t'es méchant avec la PSP, tu l'oublies. Pas une soundtrack. C'est pas un open world. Backstory, c'est un car. Oh, limite open world, voilà. Allez.
game. C'est un petit jeu moyen, on va dire, par rapport à la puissance de ma boîte, mais... My Little Racing. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un truc tout con, débloquer les derniers topics. Voilà, non, je fais un game report. C'est pas un jeu que je voulais qu'il se vende à mort. Normalement, il m'a pas coûté super cher. C'est un jeu casu, quoi. Et on va voir combien il m'a coûté. Il m'a coûté à peine 5 millions. On a eu 629-75. Alors, j'ai un engine spécial ici. J'ai engine, toi tu veux faire quoi? Gameplay, ok. Toi t'es sur ton design, donc story quest 720. Toi il te faut plus d'entraînement quand même. Bon, on va essayer maintenant. Toi 650, t'es bon en techno. Ok, mais t'as pas de niveau 5, donc pour l'instant c'est un quart. Toi t'es bon hein. Oh toi t'es viré toi. Allez salut. Oh, attendez. Attendez. Faut que je prenne mon bloc-notes. Donc j'ai un level designer, un ninja Tom. Lui, il va être gameplay, c'est Robertson. Salut caméra, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Gameplay, Robertson. Ok. Edmond McMillan, j'ai dit que je le mettais à l'histoire. Je crois que c'est ça. Savoir qui je vais mettre en dernière. Toi story quest, donc story quest c'est Edward. Ok. Paul Reed, on sait pas, mais lui il est un truc design. On va voir qu'est-ce que j'ai un design qui est haut. Excusez-moi, design, qu'est-ce que c'est que j'ai haut. Après, j'ai après il faut des trucs assez... Je vais prendre un truc équilibré. Un truc assez équilibré, parce que finalement j'ai besoin de trucs équilibrés. Engine. Ok. Ok, technologie spécialiste. Toi tu peux devenir. Ok. Faire un contract work assez violent, assez long de préférence.
Voilà, c'est pas du tout lent, mais. Voilà, on va les entraîner ensemble en fait. Au final. on va attendre que je finisse ça et on fera un dernier jeu, puis après je pense que je vous laisserai. Bang! Casser les couilles là. Ils sont revenus vite. Ok. On va développer une séquelle. Ou alors on veut un jeu basique en fait. Un truc. Voilà, un truc basique. Un jeu d'action-aventure médiéval. Je vous laisse trouver un nom, allez-y. Amusez-vous. Story quoi, j'ai dit que c'était Macmillan. Peut-être des jeux gazu pour la... l'iPad. Et du coup, est-ce que mon autre jeu s'est rentabilisé? Oui, 3 millions. Ouais, on va dire c'est bon. De toute façon, je mets tellement d'argent avec les autres jeux que c'est pas grave. C'est dédommageable, on va dire. Silverlight. Ah, c'est un nom pourri en effet, je te confirme, tech. Un open world, allez. Au final, le son c'est ce qu'on nous care le plus. Hop. Oh, c'est un jeu qui a pas tant de hype que ça en fait. Tu vas en avoir grâce au Gifree. Qui est à la fin du mois, je crois. Donc bientôt. Voilà. Là, la hype va s'enflammer. Hop, number one bouffe, once again. Hype 415, tout va bien. Merde, y'a un bug qui s'est glissé là.
Action Medieval Adventure. Bon, je suis un peu mad. Qui fait qu'il y a un bug qui s'est glissé quoi. Ça peut flinguer mes notes, hein. Un bug. Un bug et tout peut partir en couille. Ah, c'est 200, putain. Il est déjà rentable. Oui, il est déjà rentable de 3 millions. Non, sous ça. Donc nous avons maintenant notre gameplay. Gameplay et story quest 720 580. Ah, tu vas coûter cher ton développement. Bon, et bien moi je vais vous laisser là. Ce live dure depuis 20h, il est minuit. D'ailleurs, il y aura une partie du replay qui sera plus longue que l'autre, désolé. J'attends la fin de ça et on y va. Enfin, je vous laisse. J'espère que ce live vous aura plu. Je vous retrouve donc demain sûrement pour un nouveau live. Je vous dis, ciao les gens. Save.